En sport collectif, Jean Zé présentait 11 équipes. 3 équipes Benjamin Garçon, 3 équipes Benjamin Fille, 3 minimes garçons, 1 équipe minime fille et 1 équipe cadet. De ce fait, le collège Saint-Joseph de Jean Zé était le plus représenté au niveau départemental. En volleyball, les règles sont un peu simplifiées de façon à permettre un jeu plus collectif. Chaque joueur a la possibilité de faire 3 services consécutifs. Il peut également toucher 2 fois de suite la balle. Le nombre de passes à l'intérieur de chaque équipe est, lui, illimité. Classement du championnat de secteur, premier, Benjamin Garçon, Jean Zé. Après avoir passé le tour de 3 tournois éliminatoires avec succès, Jean Zé se retrouvait donc en finale départementale à Saint-Main-le-Grand. Volleyball, le point fort de l'équipe de Jean Zé. Remarquez bien cette réception très fléchie, très basse de Laurent. Une passe en suspension, au millimètre près, à 50 cm du fil. Une bonne impulsion de Vincent, une frappe lourde qui permet de marquer le point. Grâce à un jeu très construit, aucune victoire n'échappera à Jean Zé en volleyball. Dans tous les compartiments du jeu, les joueurs étaient complets. Laurent, après une remise facile à l'adversaire, rattrape sa faute en réalisant un contre offensif parfait. Une bonne impulsion, une frappe de balle et point. Deuxième activité, le handball. La force de l'équipe résidait dans une organisation très structurée du jeu. Regardez, en défense, l'organisation défensive était construite sur 2 lignes de défense, 2 lignes de 3 joueurs.
une première ligne à 9 mètres du but et la deuxième, plus avancée, aux environs des 12 mètres. Ce genre de défense permet un nombre important d'interceptions. En attaque, un joueur pivot, c'est-à-dire un joueur plus avancé, qui pénètre dans la défense adverse. C'était le rôle de Samuel. Les joueurs arrière essayent de transmettre la balle sur Samuel, ce qui leur permet, après une course d'élan, de recevoir la balle en étant lancé pour tirer avec plus de puissance. Samuel, recevant la balle, attire toute la défense sur lui. Il est ceinturé, mais a rempli son rôle, puisqu'il a attiré toute la défense. Coup franc. Regardez bien la technique du coup franc. Un rideau à deux qui permet de cacher le départ de la balle. Laurent donne à Vincent. Vincent fixe la défense, c'est-à-dire attire le défenseur sur lui et passe immédiatement sur sa droite à Thierry. Thierry qui peut se permettre de prendre une course d'élan et de tirer en suspension. Très beau tir de Thierry. Et voici le plus beau but du championnat. Laurent Robert, un superbe tir en suspension. Mais c'est ce dernier tir de Laurent qui définitivement donne l'espoir à Jean Zé. Jean Zé a donc gagné tous ses matchs en volleyball, tous ses matchs de handball. Il ne lui suffit plus que de marquer et de gagner un seul match de foot pour être champion d'Ille-et-Vilaine. Premier but contre Martigny-Ferchaux en football. Après la victoire contre Martigny au pénalty, il ne faisait plus de doute que l'équipe pouvait être championne d'Ille-et-Vilaine. Mais l'équipe mettait un point d'honneur à terminer ce championnat en gagnant tous ses matchs. Et c'est une cascade de buts qui s'ensuit. Et regardez bien ce dernier but qui conclut la victoire finale. Un centre-tir de Samuel. De Laurent, pardon, qui rebondit sur la transversale. Et un bon enchaînement d'action qui permet à Samuel de suivre la balle, de s'engager vers le but et de marquer. Bravo Samuel! Et une coupe supplémentaire pour Saint-Joseph de Janzé. Champion d'Ille-et-Vilaine 88. Parallèlement au championnat multisport, les meilleures équipes avaient la possibilité de s'engager en championnat traditionnel, c'est-à-dire en football uniquement, ou en basket,
ou comme ici en volleyball. Les Benjamin Garçons de Janzé terminaient deuxième du championnat d'Ille-et-Vilaine et se trouvaient donc qualifiés pour la finale régionale à Guingamp. Janzé se retrouvait en finale de Bretagne contre l'Assomption de Rennes. Janzé gagnait le deuxième set, mais par l'écart de points au total des deux sets, finissait deuxième du championnat de Bretagne 88.